Bonjour à tous, bonjour Yohan. Salut. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast des renards. Je suis super contente d'avoir avec moi. Pareil, On va passer un, On va passer un bon moment. Euh, on va parler euh, de la pêche en duo et des frères Rousselot, bien sûr. Ben ouais, c'est vrai que voilà, euh, pêcher avec mon frère, moi, c'est toujours un plaisir. Euh, c'est pour ça que je voulais partager un peu mon expérience avec vous à ce niveau-là. Et, euh, et voilà, je peux. Je on peux... va commencer par une petite présentation Ouais, si tu veux. Ben voilà, moi, je m'appelle euh, Yohan Rousselot, j'ai 42 ans maintenant. Le temps passe vite, ça fait, euh, je dirais, plus de 25 ans que je suis à fond passionné de pêche à la carpe. J'habite euh, pas loin de Marseille, à une trentaine de kilomètres de Marseille, dans le sud de la France. Donc on est bien, il y, y a pas mal de lacs là-bas, ça part à pêcher et tout ça. Euh, j'ai toujours essayé d'adapter un peu euh, ma vie professionnelle à la pêche, parce que passion oblige. Donc du coup, forcément, euh, euh, voilà, j'ai essayé de trouver toujours des, des, des possibilités d'arranger mon temps de travail de façon à pêcher le plus possible. Mon frère, pareil. Et voilà, maintenant ça fait 25 ans qu'on est passionné, toujours à fond. Euh, voilà quoi, que dire de plus euh, C'est vrai qu'on a, on a quand même une... notre, notre truc préféré, c'est les gros poissons. Hein. Je pense que les, les gens le savent. Donc voilà, nous, on, est, on est toujours focus là-dessus, essayer de prendre les plus grosses cartes possibles. Mais dans un délire de prendre du plaisir aussi, de rigoler. Voilà, on ne veut pas se rendre fou, on veut que ce soit une passion et que ça en reste une et que voilà, qu'on se fasse plaisir au bord de l'eau. Euh, peut-être tu peux nous dire euh, où est-ce que vous aimez pratiquer, sur quel type de lieu vous aimez pratiquer bah, Nous, à la base, ce qu'on aime, c'est les grands lacs. Mais ça nous est arrivé aussi plein de fois de pêcher euh, en gravière. Euh, voilà, parce que c'est aussi important de varier ses destinations, pour, euh, voilà, pour varier son approche, essayer d'avoir de, voilà, des visions différentes. Et donc, euh, mais no notre cheval de bataille, c'est les grands lacs, ouais, ça c'est sûr. Les grands lacs et euh, peut-être les, les lacs difficiles Oui, ouais, évidemment. Si j'ai ouais. cru comprendre. J'aime bien, bien les challenges. Et, euh, et c'est vrai que euh, voilà, quand les poissons sortent difficilement, ça les rend encore plus beaux quand ils sont à l'épuisette. Et donc du coup, euh, du coup, voilà, euh, ouais, ouais, c'est clair que les, les... ça va souvent de pair les grands lacs, c'est compliqué. Choper les gros poissons dans les grands lacs, c'est encore plus compliqué. Ça demande beaucoup d'investissement, beaucoup de pugnacité, on va dire. Et ouais, c'est ça qui me fait vibrer euh, le plus. Le duo au frère Rousselot euh, chez les renards, c'est euh... Vous êtes un des piliers, un des piliers chez nous. Ouais, ouais. Euh, ça fait combien de temps que, que vous êtes chez Léonard euh, Ça fait 4-5 ans maintenant, je dirais. Ouais. ça fait 4-5 ans. Euh... Bon, évidemment, on s'y sent bien. On, on est, on est... C est... C est. Je le ressens un peu comme ça qu'on est, qu'on est, qu'on fait partie vraiment de l'équipe. Les gens nous demandent souvent des conseils sur des, des choses et tout ça. Donc, je me sens, je me sens vraiment bien dans cette équipe. Et, euh... et voilà, mon frère, pareil. Ouais. En tout cas Yo, ça me fait vraiment plaisir de t'avoir avec moi. On va tout de suite parler de la pêche en duo. Entrez dans les coulisses, c'est parti. Deuxième rubrique, Johan, entrez dans les coulisses avec euh, les frères Rousselot pour euh, la pêche en duo. C'est parti. On va, on va en parler tout de suite. Alors euh, tu peux peut-être nous dire euh, comment c'est comment venu Comment vous, a, comment vous avez... Comment on a commencé la pêche Exactement, comment vous avez commencé tous les deux euh, ensemble ben, Je peux te raconter ça, ouais, c'était euh, marrant. Je pense que j'avais... Euh, je... Je ne sais plus, mais vraiment peut-être 10-12 ans. Et euh, je devais aller à la fête foraine. J'habitais en Mayenne à l'époque, à Saint-Berthevin. Et il y a une petite rivière qui s'appelle le Vicouin, qui passe juste en bas. Euh, et on devait aller à une fête foraine avec un ami à moi. Et il me dit, euh, oh, je ne sais pas, viens, on va à la pêche. On est partis pêcher euh, le, le, au cou, le gardon. Et j'ai chopé le virus d'un coup, d'un seul. Après, Mathias était très jeune à l'époque encore. Euh, il devait avoir 9 ans, vu qu'il est plus jeune que moi. Et, euh, et c'est vrai qu'après, on a déménagé dans le sud de la France. J'ai rencontré deux amis à moi, euh, des mes potes d'enfance à euh, qui j'ai encore contact évidemment, à qui on a commencé à pêcher la carpe. Et Mathias, le temps qu'il grandissent un peu, nous a rejoints et on était tous les quatre à pêcher la carpe en même temps, tout le temps. Quoi. voilà donc, en a, sud. donc après, ça vous est resté Après, euh, bah, euh, avec Mathias, on s'est forcément euh, voilà reconnu dans ce truc-là. Euh, et puis le fait qu'on soit frère, ça a tout de suite matché. Et là, après, on a commencé à, à envoyer. quoi <rire> <rire> okay. et, et le, le fait que, que vous soyez frère, tu penses que c'est ce qui a vraiment joué Tu aurais pu faire ça avec un ami Ouais, ouais j'aurais pu faire ça avec un ami. Le fait, que, le fait que ce soit avec mon frère, ça rajoute un truc parce que voilà, c'est la famille, c'est génial. C'est, Oui, c'est un plus, mais après, euh, là récemment, j'ai pêché avec d'autres personnes euh, qui n'étaient donc pas mon frère et j'ai pris énormément de plaisir. J'ai retrouvé des sensations similaires, on va dire, dans le partage, dans, dans, dans le, 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 la façon de dérouler les choses. Donc, euh, oui, c'est faisable. Mais pas avec n'importe qui, par contre. D'accord, on y reviendra un petit peu plus tard. Ouais. Euh, tu peux peut-être nous dire, quand vous avez commencé à pêcher, comment ça se passait au niveau du matériel Parce que finalement, vous êtes deux. Est-ce qu'il y a besoin de deux fois plus de matériel Ou alors on peut avoir un matériel en commun bah, Pour ne pas te cacher les choses, c'est vrai que quand tu débutes et que tu as des moyens limités, être deux, c'est un vrai plus. Parce que tu achètes un bateau, tu partages les frais en deux, tu achètes une épisode pour deux, ainsi de suite. Donc c'est vrai que c'est tout de suite plus accessible. Tout le monde sait que la pêche à la carpe, c'est un, une passion qui vaut cher. Euh, donc, euh, donc voilà ça te permet d'accéder plus rapidement à du matériel parce que bah, tu as, as, as deux porte-monnaie qui peuvent dépenser dedans, donc ça c'est vrai que c'est euh, quand on débute c'est ouais, un plus déjà, et, euh, et même voilà pour les appâts c'est la même chose euh, nous on roulait des bouillettes dès le début parce que voilà, pour des raisons économiques hein, et, euh, et bah, quand on roulait tout seul c'est un peu lourd quoi, c'est un peu chiant on hein, pas se mentir que là quand tu es deux, tu te prends une journée tu roules des bouillettes à deux, ben bah, donc il y a une grosse partie motivation. Ouais voilà et puis euh, aussi euh, économie euh, voilà pour le pour euh, au niveau financier quoi. Mmh, ouais, je comprends bien. Euh, donc on a parlé du matériel et finalement tu peux peut-être nous dire euh, qu'est-ce que c'est vraiment la pêche en binôme. Moi, je, pour moi déjà un seul mot c'est le partage. C'est-à-dire la pêche en binôme il faut que ce soit faut... c'est pas euh, tu pêches avec quelqu'un que tu as rencontré euh, la veille. C'est pas être deux euh... c'est être c un. C'est être un exactement. Être, être, être vraiment dans le même move dans les mêmes stratégies dans les... Enfin, voilà euh, vraiment dans un lâcher prise complet où il n'y aura pas aucune concurrence entre les deux pêcheurs ça c'est le plus important C'est-à-dire moi mon... enfin dans ma vision des choses parce que si tu commences à être jaloux parce que ton binôme prend une, un poisson et que ceci tu vas pas aller dans le bon sens voilà euh, ça arrive régulièrement que par exemple on sait que c'est la canne de gauche qui va dérouler. Si tu commences à être en concurrence, du coup tu vas dire ah, bah, ⁇ c'est l'autre, la canne de gauche, elle à l'autre ⁇ Non, ce n'est pas comme ça. Nous, c'est toutes les cannes, elles sont à tout le monde. On partage tous les départs. Euh, voilà, c'est une vision commune. Tu comprends ce que je veux dire C'est vraiment quelque chose de, de, dans le partage, dans, dans l'optimisation aussi de la pêche. On arrive, on est deux. Allez, là ça va taper, on va faire comme ça. Quoi. Tu nous as dit que le matériel était finalement pour, pour les deux pêcheurs. Est-ce que la préparation, elle est faite aussi en commun Bien sûr, bien sûr. Ça, ça part même du, du choix du poste où on va les pêcher. Euh, voilà, on regarde, c'est toujours un peu le, le, la même chose, on regarde un petit peu les conditions environnementales, les conditions météo, ainsi de suite. On choisit une zone, parce qu'on ne détermine la zone quand, à deux, quand on, a, quand on a un peu des informations à ce niveau-là pour tomber dans des périodes favorables en fait. Donc ça c'est déjà une discussion qu'on a ensemble avec, avec mon frangin Donc il y a une réflexion qui se fait à deux et voilà. finalement voilà. on, Style, on a un tiens, échange Il y a une dépression qui arrive plutôt dans le sud-ouest, c'est dans trois jours, tiens, regarde si on part demain et qu'on arrive à cet endroit-là, on peut déjà... Donc tu vois, il y a déjà tout un truc qui se met en place comme ça. Est-ce Après... qu'il y a des divergences parfois Tout le temps. D'opinion tout, tout le temps. Mais par contre, ça se finit toujours dans le, dans le sens commun. Je ne sais pas, par exemple, ah mais non, peut-être qu'on devrait aller là, on devrait se mettre sur telle berge, la berge nord, la berge sud, ainsi de suite, qu'on arrive sur un lac, le choix du, du lac au début. Le choix du lac, en général, ça va. On, est, bon, on va là, on va là, ok, c'est bon, mais quand on arrive, le choix du poste, il y a toujours, euh, ah mais non, mais il a fait du vent, alors peut-être qu'on devrait aller plus sur cette berge-là ou sur ce poste-là. Ah ouais, mais regarde, je sais que le dernier coup, les poissons, ils étaient là-bas. Et en fait, ce n'est pas des divergences, c'est un échange de points de vue. Tu comprends ce que je veux dire C'est vraiment un échange de points de vue. Et à un moment donné, on tombe d'accord. On tombe d'accord. Et il euh, y a des consensus évidemment, quoi. Des consensus. Ça, ça, va du, du choix du poste à euh, la dépose de la ligne, quoi. Par exemple, euh, euh, tiens, je pense que sur ce passage, sur le fond, il faudrait mieux pêcher le tombant. Ah ben non, il faudrait mieux pêcher dessus. Bon, ben bah, écoute, euh, on essaie une nuit euh, comme ça et l'autre nuit on verra, mmh. tu vois. Et, mmh. et, et euh, si, par exemple. Je sais pas, je te donne un exemple empirique, mais grosso modo, s'il y en a un qui a décidé de, de sur une canne, tiens, tiens, allez vas-y, je me fais plaisir, j'ai viens de pêcher sur le haut fond, et que l'autre voulait pêcher derrière, et eh ben, l'autre canne, l'autre va plus influencer l'autre canne, tu vois ce que je veux dire je ouais. De façon à ce que à la fin, on ait l'impression de pêcher optimal tous les deux. C'est ça que voilà. Tu vois, tu tu, tu tu, sais quand tu poses tes fesses sur ton level, tu as vraiment l'impression de, de de dire, voilà, là on a fait le taf, on peut pas, être, on, on est raccord, quoi. Tu vois Puis l'avantage la, c'est que vous pouvez faire l'apéro ensemble après. C'est ça. On peut faire l'apéro, on Il y a peut discuter. Des bons Et c'est pour te dire mon moment préféré, moi, c'est quand on dort dans le même bivouac évidemment tout le temps. C'est un peu notre euh, petit kiff, tu vois. Et euh, <coughs> on est tous les deux sur le sur de chair, quoi. Et là, on discute stratégie, quoi. C'est toujours pareil. As un, celle de gauche. Euh, on sait des petits pronostics. Tiens, tu crois que c'est laquelle qui va dérouler des trucs comme ça Ou alors euh, euh, bon, si ça ne mord pas, demain on fait ça, ça, ça. Ou alors euh, tiens, alors euh, tu vois des, des choses comme ça, quoi. Et ça, c'est un petit moment. J'ai envie de dire d'intimité, je, je sais pas si c'est le bon mot, mais qui est vraiment qui est vraiment kudos, quoi. Ok, je comprends. Tu viens de nous parler de cette notion d'égalité pour que chacun soit soit bien dans cette pêche. Comment ça se passe au niveau des par exemple au niveau des départs euh, C'est le premier sur la canne ou alors euh, euh, c'est chacun son tour Alors, bah pour le premier départ, c'est le premier sur la canne. Pour le deuxième départ, c'est le premier sur la canne aussi. Nous on s'en fout en fait. Les cannes, elles sont, elles sont à tout le monde. Tu comprends ce que je veux dire ouais. pas, n'ai euh, pas mes quatre cannes et Mathias ses quatre cannes. Euh, déjà, c'est rare qu'on pêche à huit cannes parce qu'on a remarqué que ben, en général, ça te fait perdre des départs plutôt que ça t'en rapporte. Donc, on limite le nombre. En général, on pêche à six cannes souvent. C'est souvent ça. quoi. Okay. Et, euh, et quand il y a un départ, euh, ben, entre guillemets, si c'est sur une de mes cannes, Mathias est à côté, évidemment, qui va ferrer Et si c'est lui qui fait dix fois la canne, c'est pas un souci. Après, bah, vu qu'on aime bien ramener les poissons tous les deux, on se les, tu vois, on fait un sur deux. Et puis pour les photos, on fait aussi, euh, on fait, voilà comme, comme on a envie quoi. Il y a une question d'efficacité aussi qui rentre en jeu finalement. Bien sûr, mais c'est que ça. C'est que ça. On va pas commencer à dire, tu vois, euh, euh, va ferrer Quelqu'un qui est à 20 mètres de la canne, c'est dommage de, de perdre le temps qu'il aille sur, le poisson, enfin, sur, le, sur la canne pardon, pour ferrer alors que l'autre est juste à côté. C'est oui. dommage. On n'est vraiment pas. C'est ça que j'ai envie de dire. Euh, Il y a une belle vraiment, mentalité. Mais, non, mais même, c'est même. Tu, euh, alors, peut-être, oui, ça c'est toi qui le dis, je sais pas, moi je vois ça de l'intérieur, donc c'est difficile à dire. Mais c'est vraiment pas euh, j'ai ma canne et il y a sa canne, tu comprends ce que je veux dire Oui, c'est. Nous, qu on, on pose les cannes, quand on part poser les cannes, on est à deux dans le bateau, et il euh, y en a un, il rame, l'autre, il est derrière avec, le, avec la canne et, et l'amorçage, on a l'éco-sondeur, et on décide à deux. Donc, de toute façon, la canne, elle est posée à l'endroit où on a décidé exactement tous les deux. Donc, ça veut dire que. Quel est l'intérêt que ce soit à quelqu'un d'autre, tu vois mmh. C'est vraiment ça qui nous fait euh, qui nous fait euh, avancer, quoi. Tu vois ce que je veux dire Quand vous démarrez une, une nouvelle pêche sur un nouveau secteur, sur un nouveau lac, comment vous procédez Quelles sont les premières choses que vous faites quand vous arrivez au bord de l'eau Ça c'est, je pense que ça c'est pour le coup, c'est un peu comme ceux qui pêchent aussi des fois tout seuls, quoi. C'est voilà euh, réflexion sur euh, la météo, les mouvements des poissons, ainsi de suite. Euh, qu'est-ce euh, qu qu'on veut aussi Tu vois qu'est-ce qu'on veut Quel poisson on veut Est-ce que c'est souvent comme ça Nous euh, euh, la pêche se décide souvent par rapport aux objectifs qu'on se fixe, tu comprends? C'est-à-dire, tiens, euh, je sais qu'il y a un gros poisson sur ce lac, il est à l'autre bout là-bas, mais je vais faire moins de départ, je vais quand même aller le chercher là-bas, tant pis, tu vois. Donc c'est un, un petit peu comme ça. Après, euh, après, voilà, on adapte en fonction des situations, c'est euh, souvent comme ça. Ouais. Et quand vous êtes en pêche? Et... Que finalement, ça, ça peut aussi ne pas, pas se passer comme vous aviez prévu. Euh, comment ça ça se arrive p... souvent. Ouais. <rire> <rire> comment, comment ça se passe euh, au niveau des choix stratégiques euh, Est-ce que c'est -ce est finalement euh, plus l'un ou l'autre qui décide euh, ou, ou qui force de proposition pour bouger de poste ou pour bouger de lac euh... Alors en général, moi je suis plus enclin à bouger et Mathias à rester sur place. Donc ça, ça crée un bon équilibre aussi, parce que euh, moi des fois j'ai tendance à vite vouloir bouger de poste et Mathias peut-être rester. Euh, donc, donc voilà, on fait en, par un coup sur deux, on fait aussi au feeling. Il y a, ça arrive que moi je veux bouger parce qu'on a fait, n'a rien fait la première nuit en général. Et donc du coup, moi j'ai envie de voilà d'aller chercher les poissons ailleurs. Et Mathias me dit, non mais regarde, attends, on n'a on peut-être pas pêché vraiment bien ce spot-là, peut-être pas celui-là et finalement on reste et finalement on déroule tu vois donc mmh. euh, c'est une complémentarité euh, à l'inverse euh, voilà moi je lui dis allez ah, Mathias on se motive on pille tout ça dans une heure on est parti dans trois heures on est installé là-bas est-ce euh, que ça vaut pas le coup et il me dit ouais t'as raison as raison yo allez vas-y on y va feu et on le fait et on déroule donc tu vois là c'est comme ça on, le, toujours dans le délire de l'échange et de de, 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 de échange d'idées quoi faut se respecter chacun tu comprends tu peux pas toujours il peut pas avoir un leader un suiveur c'est pas pas comme ça en tout cas chez nous c'est okay. voilà c'est voilà, on est on est tous les deux sur le même euh, au même niveau à la même, même échelle niveau, exactement exactement ça t'arrive de pêcher parfois tout seul ben et oui euh, oui mais ça m'arrive de pêcher tout seul de plus en plus parce que Mathias est très pris en ce moment il s'est lancé dans des dans des comment dire, de <coughs> dans des projets professionnels qui nécessitent beaucoup de temps donc euh, donc voilà moi je ne peux pas tout le temps euh, attendre qu'il soit disponible pour aller pêcher donc ouais ça m'arrive de, de pêcher seul quelle sensation ça te fait ça aujourd'hui euh, alors ça me fait deux sensations la première c'est que souvent je m'en sors pas parce que j'ai tellement l'habitude de pêcher à deux que, que si tu veux les automatismes euh, voilà faut préparer euh, c'est qu'on va dire mais tout le tapis nickel l'épuisette dans le bateau tout parfait alors que quand t'es deux tu, tu te reportes un peu tu peux te reposer un peu sur l'eau tu sais que si l'épuisette est j'exagère un peu, mais pas monter, mais c'est pas grave, tu fais, l'autre il va la monter pendant que toi tu, 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 tu commences à mettre le bateau en place, et parti en bateau. Là, il faut vraiment... Donc voilà, c'est des automatismes que, bon, que j'ai appris maintenant depuis le temps, mais, mais au début, quand t'as tellement l'habitude de pêcher à deux, que t'as pas forcément, tu vois. Mais par contre, la euh, deuxième sensation que je peux te dire, c'est que des fois, j'y prends aussi plaisir. Alors, je préfère 200% être avec, avec mon frangin, évidemment, mais me faire euh, deux, trois jours tout seul, paumé en grand lac euh, où je vois personne, c'est un... Ça me fait du bien aussi, j'y prends plaisir, quoi. Même si ce n'est pas ce que je préfère, mais j'y prends plaisir quand même. Est-ce que Johan, tu peux me dire si finalement tu penses qu'il y a des lieux qui sont techniquement inaccessibles euh, si tu es tout seul J'irai pas jusque-là, mais c'est sûr que surtout au niveau stratégie, on va dire, d'être deux. Euh, voilà c'est vraiment, vraiment un plus après des lieux on va dire des voilà des peut-être des postes ouais, voilà des postes très encombrés où, où tout seul tu pourrais vraiment tu n'aurais aucune chance on va dire de sortir un poisson peut-être quand il y a des grosses conditions aussi alors ça, ça c'est sûr par exemple quand il y a beaucoup de vent ou des choses comme ça, ça c'est vraiment euh, euh, voilà le, le nombre de poissons qu'on a réussi à sortir parce que il euh, y en a un qui gérait le bateau et l'autre qui arrivait à gérer la, la carpe euh, mmh. ou euh, parce qu'on savait que c'est le temps de réaction quand tu pêches à ras d'un obstacle euh, et que en as devant toi, en as sur tous les côtés. Il y a une fenêtre, en fait, de, 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 de tir, entre guillemets, qui est vraiment euh, chaud. Donc, donc là, état à deux optimises énormément ta rapidité. Et, et, et voilà, euh, Donc ça, ça, ça c'est sûr. Euh, moi, j'irais plus même au niveau stratégie. Je peux te donner un exemple, par exemple. Tu vois, par exemple, quand on arrive dans, dans un lac, ça arrive fréquemment qu'on amorce plusieurs postes. Donc ça, si tu es tout seul, tu peux pas faire. Tu peux pas laisser ton matériel pendant trois heures pour aller à l'autre bout du lac et amorcer, tu vois ça, nous, ça nous arrive très souvent qu'on euh, arrive, on fait une nuit, euh, on s'installe, on, on se met bien, et ensuite, le lendemain, moi ou Mathias part amorcer deux autres postes sur le lac, qu'on pêchera plus tard dans la session. Ça, c'est chose que tu ne peux pas faire quand tu es mmh. tout seul. Donc rien que ça, c'est des, des, des plus, mais c'est inimaginable en fait. Donc, euh, donc voilà, ouais. à, à ce niveau-là, c'est sûr que c'est vraiment un bénéfice d'être deux. Ouais. Est-ce que, Johan, tu penses qu'aujourd'hui, euh, dans le monde de la carpe, les frères Rousselot, c'est vraiment une, une institution ah, C'est pas à moi de dire ça. C'est difficile à dire comme ça. Je, je me rends compte que, que je pense notre complicité avec Mathias, notre passion euh, euh, se voit, on va dire. Donc, euh, donc du coup, les gens s'identifient. Euh, le fait qu'on a eu des résultats, euh, quand même, euh, des bons résultats, on va dire, à prendre beaucoup, beaucoup de gros poissons. C'est vrai que voilà, les, les gens, ça, ça, ça les intéresse et tout ça. Euh, dire que, comme tu dis, on est. Une, je, je sais pas. Je me rends pas compte. C'est vrai que je t'avoue que. On nous reconnaît tout le temps en bord de l'eau. On, on, voilà, souvent les gens ils viennent, ils sont friands d'écouter de, 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 nos histoires de pêche ou des choses comme ça. Donc je me rends compte que, que voilà, on a, on a des choses à partager. Euh, je vois bien quand on fait des salons, des choses comme ça, que les gens sont, sont intéressés par, euh, par, euh, par nous, quoi. Donc c'est donc vrai que c'est flatteur, c'est marrant, mais même si c'est pas du tout le délire pour nous, nous on s'en fout, tu vois. Vraiment, euh, c'est vraiment pas c'est vraiment pas ce qu'on recherche en fait en allant en bord de l'eau, mais euh, mais ouais, je me rends compte qu'on a qu'on a des choses à partager parce que les gens sont en demande des fois de, de choses comme ça. Ça, je me rends compte. Ouais. Et comment vous fixez vos objectifs parce que finalement, y a, y a un, vous avez un beau palmarès. Tout à l'heure, tu m'as parlé de beaux poissons euh, que tu aimais aller euh, pêcher dans, dans des zones qui restaient compliquées ou des grands lacs avec des mmh. grosses conditions. Euh, comment vous, fi vous fixez vos objectifs annuels Allez, je, je peux te raconter. Et, une et petite finalement, est-ce si que vous veux. en avez alors bien sûr qu'on en a, bien sûr qu'on en a. Je peux te raconter un truc. En fait, c est, c est, on a un rituel en fait avec, avec le frangin. C'est tous les ans le 31 janvier à minuit, on s'appelle pour se fêter… 31 euh, décembre. Euh, pardon, le 31 décembre à minuit, tout à fait. Le jour, de, le, le jour du, du réveillon de, du jour de l'an, pardon. On s'appelle. Bonne année frangin, je te fais des bisous ainsi de suite. Et là, ça, ça met pas longtemps pour qu'on discute des objectifs de l'année. Et c'est là qu'on fixe. Évidemment, c'est variable, mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'on qu que, qu qu se fixe comme, comme objectif cette année Et voilà, chacun dit son avis et, et ça part de là. Et après. Donc, c'est en termes de lac, en termes de poissons euh... En fait, souvent, ça va être prendre une grosse dans tel lac, prendre ce poisson qui nous échappe depuis deux ans, réussir à faire une autre grosse dans ce lac parce que le dernier coup, on en avait décroché une devant l'épisode. Tu vois, un truc comme ça. Tu vois, c'est souvent un peu dans, dans, dans cet esprit. Et. Euh... Et, et le délire après, c'est que c'est voilà, c'est que souvent c'est marrant, mais c'est quelques minutes au téléphone qu'on passe euh, ce, le soir du réveillon. Et ben après, on, on met presque tout en œuvre pour les réussir pendant l'année, quoi. Donc c'est marrant. C'est super quand important. Tu, quand pour tu vois, vous quand tu vois ben, les petites minutes comme ça qui passent, euh, qui, enfin voilà, c'est un, un laps de temps qui est très court. Tu vois après le nombre d'heures où on s'implique pour les, on s'implique, tu vois, pour les pour les pour les réussir, c'est marrant, quoi. On a toujours notre petits rituels, ouais, c'est comme ça. Mais évidemment qu'on se fixe des objectifs. Et après, euh, je dirais. Plus de 25 ans de, de pêche commune, c'est à peu près ça 20 ans, 25 ans Ouais, ouais, 25 ans, je dirais, ouais. Si tu peux faire un bilan, est-ce que tu est -ce que es satisfait euh... Non, franchement, ça me saoule. j'en ai trop marre là. <rire> <rire> Évidemment, je suis satisfait. Je pêche avec mon frangin depuis 20 ans, euh, depuis 25 ans. Non, non, ouais, 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 ouais je, suis, je suis satisfait. On est toujours en. Je crois que le truc dont. dont Parce que finalement, il je... y avait un des objectifs qui était de, 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 de faire perdurer. Cette complicité avec ton frère. J'allais presque te dire ça. Le truc dont je suis le plus fier au fond, c'est que ce, ce délire nous a rapprochés euh, pour le, toute la vie. Donc, ça, c'est des choses qui sont précieuses. Et euh, peut-être la, la seconde chose que je pourrais dire, c'est que en, en tant d'années de pêche, avec, on va dire, voilà, comme je te dis, on a, on a, on a, on a réussi pas mal de trucs et tout ça. On n'a jamais perdu un gramme de passion qu'on a, quoi. Et ça, je crois que c'est les deux choses qui me rendent le, le plus fier au, au fond, quoi. Pour terminer, peut-être que tu peux donner un conseil aux personnes qui, qui nous écoutent. Euh, mmh. Comment trouver un, le binôme Ouais, bien sûr, ouais. Moi, je, moi, je pense que ton binôme, ça doit être ton pote. Est-ce que c'est est obligatoirement un frère ou ça peut être euh... Non, non, pas du tout. Mais voilà, il faut, faut que ce soit quelqu'un avec qui déjà tu as des affinités autres que la pêche. Quelqu'un en qui t'a confiance, en qui voilà, qui, qui, qui t'intéresse, qui, qui, qui tu te sens à l'aise, tu vois. Pour que si tu veux, si tu veux en fait. Y ait, il y a euh, déjà cette alchimie entre les deux personnes de façon à ce que quand tu ailles au bord de l'eau, ce soit vraiment euh, quelque chose qui va avancer dans le bon sens. Donc, moi, le conseil, premier conseil, que, le, le conseil que je donnerais pour, pour choisir un binôme, c'est choisissez un pote déjà, un ami, un, un frère, un ami, n'importe quoi, quelqu'un avec qui vous vous sentez bien, et après tout va glisser tout seul. Parce que finalement, la pêche à deux, c'est des bons moments, mais c'est aussi, j'imagine, des moments de déception, bien sûr. des moments de colère. C'est tellement bon d'avoir quelqu'un qui te relève ou qui te pousse quand. Euh, enfin je sais pas tout le monde tout le monde connaît la pêche à la carpe hein. euh, on voit les photos des gros poissons mais il faut aussi capter que il euh, y a aussi des, des nuits entières à rien faire à, à se poser des questions à, à, à se remettre en question et là avoir quelqu'un sur qui compter que ce soit enfin euh, je prends notre exemple à, à moi et mon frangin voilà il euh, y en a tout ça arrive il euh, y en a un qui fait bon euh, voilà qui, qui qui commence à un peu à pas à désespérer mais à, voilà à avoir des doutes et l'autre tout de suite là, le rebooste le, re le reporte euh, euh, vers le haut et donc ça, ça c'est génial quoi et c'est vrai que ça ça marche comme ça et je pense que tous ceux qui, qui vont écouter le, ce, ce podcast euh, moi je peux, je peux vous dire vraiment c'est une magie de voilà de, 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 de vibrer comme ça à deux c'est génial ouais. en tout cas tout ce que je peux te dire c'est que ça donne envie d'aller trouver un petit merci, merci. troisième partie Johan la tuile est ce que tu aurais une anecdote euh... Un peu croustillante à nous raconter qui t'est arrivé au bord de l'eau ben, carrément. Alors ce que je peux dire déjà, c'est qu'il faut voir que moi et mon frangin, on est un peu des, des boulets au bord de l'eau. Il nous arrive toujours des, des, des trucs un peu, voilà, un peu, un peu rigolo, quoi. C'est ce qui fait un peu le charme du truc aussi. Mais j'en ai une bonne. Ouais, j'en ai une bonne à te raconter. On, on, Donc on, on était sur un lac où ça marchait pas trop mal. Mais bon, on pensait qu'il avait, on avait entendu parler de quelque chose qui nous, qui nous titillait un peu d'un autre lac qu'on voulait aller pêcher et tout. Et là, on se, on, 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 on se chauffe, on se dit Allez, on y va, on plie tout, on trace, on arrive sur place, on défait le bateau, on se met bien, on se trouve un petit poste sympa. C'était un petit lac, je dirais 5-6 hectares, oui, paraît qui nageait, une belle ou deux, tu vois. Donc on, 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 voulait, on voulait les prendre, tu vois on, on s'était chauffé là-dessus. Donc on s'installe, première nuit, on pose tout, millimètre, voilà, comme d'habitude, on met des heures à tout poser. Rien, bon, ok. On attend, deuxième journée, rien. Deuxième nuit, rien non plus. Ok, on commence à se demander bon est-ce qu'on a fait le bon choix. Et là, il y a un, un mec qui passe, un, un mec euh, du, du coin. Quoi, Et on commence à discuter avec lui. Et en fait, il nous explique gentiment que le lac avait été vidangé, qu'il n'y avait plus un seul poisson dans le lac, donc qu'on passait dans un désert complet, euh, donc qu'on pouvait même attendre une année qu'on n'aurait même pas une touche. Donc voilà quoi, bon choix stratégique, encore une fois euh, nickel. Quoi. Ok, ça marche Et Voilà une petite CEO. anecdote. Ok Yo, on attaque notre dernière partie, les questions flash. Alors le principe il est très simple pour ceux qui ne le connaissent pas. J'ai préparé quelques questions pour toi, tu ne les connais pas et tu vas devoir y répondre assez rapidement. On est Allez, parti c'est parti, ouais, je t'écoute. Alors déjà j'aimerais savoir euh, pour l'année prochaine quels sont tes objectifs euh, J'aimerais bien prendre un très gros poisson au salagou. Parce que je pêchais là quand j'étais petit et on a un peu arrêté de le pêcher. Et on y est revenu il y a quelques temps pour faire une vidéo. J'ai repris un peu le virus, et j'ai pas eu l'occasion vraiment de, de bien le repêcher comme je voudrais. Donc prendre une, prendre une ou deux très grosses carpes au Salago. Ouais. J'aimerais savoir si vous, toi, éventuellement ton frère, vous avez été influencé dans votre carrière de pêcheur par d'autres pêcheurs oui bien sûr, bien sûr. je euh, Tu peux peut-être nous en citer Ouais, ben bah, je pense évidemment à Léon, Léon, c'était un peu Léon c'était le... le gars où quand on avait 15 ans, on se disait est-ce que s'il était là avec nous, il prendrait une carpe alors que nous on prenait rien évidemment, tu vois. Donc c'est quelqu'un qui nous c'était un peu notre pas notre idole mais un petit peu ouais, voilà. Et après il y a eu euh, voilà, euh, j'aimais beaucoup Thomas Flogger pour sa liberté, euh, voilà le pêcheur nature euh, avec peu de matériel calé dans le Rhône euh, sauvage. Et ouais, après, moins par les anglais, parce qu'en en fait, nous, on est arrivé dans, dans la carpe au moment où ça émergeait vraiment bien en France. Donc, il y avait déjà un peu, des, grosso modo, des gens médiatiques français. Donc, on s'est plus euh, identifié à ces gens-là. Ouais. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des lieux qui te font rêver Putain, ouais, carrément, carrément, à fond. Euh, j'ai envie d'aller pêcher en Espagne. J'ai envie d'aller pêcher en Espagne. Un, vraiment, j'ai envie d'aller euh, dans les grands lacs espagnols ou portugais. Euh, euh, j'ai envie de me confronter à ces lacs-là. Ouais. Donc ça, ça me fait rêver. Et évidemment, euh, je pense que j'aurais pas assez d'une vie pour faire tout ce que je veux faire. Ouais. Tu m'as dit euh, tout à l'heure, pendant la présentation, euh, que tu habitais à Marseille. Selon toi, euh, à partir d'où commence le nord de la France <laughs> C'est une bonne question, ça. C'est une question piège. Euh, je vais pas dire Avignon, parce que ce serait abusé quand même. Mais euh, euh, ouais, euh, Lyon, déjà, c'est un peu le nord. Okay. Dunkerque, c'est le pôle nord. D'accord. Voilà. C'est ça, moi je peux te dire ça. Ouais, c'est un jeu, c'est un jeu. Euh, évidemment, je, je sais que Lyon, c'est pas le nord, mais c'est un jeu. Les sudistes, ils, ils, ils rigolent avec ça, donc euh, j'en fais partie, ouais. Si je te dis folie de 20 kg ou commune de 30 euh, Folie de 20 kg. On connaît tous le camion mythique euh, des frères Rousselot. Est-ce que tu peux nous en dire un, un petit mot euh, pour ceux qui, qui n'en ont, ont jamais entendu parler Ouais. <laughs> ouais c'est vrai qu'il est sympa ce camion ouais. bah, c'est un camion qu'on a acheté il y a euh, maintenant une dizaine d'années euh, pour pêcher la carpe donc il est, il est super il est super grand et tout mais faut être honnête qu'il a pas été entretenu à la mesure qu'il euh, devrait être donc euh, donc ouais il est sympa il y, a, il y a comment dire il y a plus des siège il y a plus de frein à main il y a un trou dans le plancher il y a, il y a plus rien qui marche par contre il m'emmène où je veux hein, il n'y a pas de souci mais Ouais, l'autre jour, j'ai perdu une tongue sur l'autoroute, par exemple, euh, qui est passée par le plancher. quoi. Voilà, donc il, il, non, il est sympa, ce camion. Et, et paradoxalement, c'est notre petit bébé. Quoi. On l'adore. Donc, euh, donc euh, on ne veut, veut pas en avoir un autre. Quoi. Il, fait partie de nous, quoi. il fait partie de nous, ce camion. Et finalement, qu'est-ce que ça fait d'être un frère Rousselot euh, C'est question piège. Je ne sais pas quoi te dire. Euh, qu'est-ce que ça fait d'être un frère Rousselot bah, moi, voilà, c'est un kiff. Je veux dire de, 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 de pêcher avec mon frère, tout ça. Après, d'être un frère Rousselot, je, je pense que c'est peut-être pas à moi de répondre à cette question. En fait, j'ai du mal à, à, à savoir quoi te dire parce que tu, tu, tu veux dire un petit peu bah, qu'est-ce qu'on qu qu sent qu'on dégage en tant que frère Rousselot. C'est ça que tu veux dire Non. Est-ce que tu es fier d'être un frère Rousselot Je suis fier d'avoir construit ce qu'on a construit avec mon frère. Je okay, ouais, suis très fier. Bon, Johan, en tout cas, je te remercie. J'ai passé un super moment avec toi. J'espère que ça, ça, ça plaira aux gens qui, qui nous ont écoutés. Moi aussi. On se retrouve bientôt sur la chaîne Fox International pour un nouvel épisode du podcast des renards. Merci Mathéo et à bientôt. À bientôt tout le monde. Merci.